Le titre de mon message aujourd'hui, c'est mariage. Qui savait dire mariage selon le plan de Dieu? Pourquoi pour cause aujourd'hui cérémonie mariage? Cérémonie veut dire on met un linge, on met un costume, on met un linge, on va mettre sa sari blanc, robe blanc, rouge, bleu, jaune, vert, peu importe où linge, pas ça qui est important, gosse donner, fille donner à la musique, gâteau, manger. Pourquoi pour cause cérémonie mariage, mais pour cause la vie du mariage. Je disais la vie du mariage. Allez, un peu plus fort, la vie du mariage. Oui, vous connaissez, nous avons des enfants ici parmi nous qui là. Mais il faut nous montrer ça, mes enfants-là, c'est quoi la vie mariage? Toute religion est un mariage. Dans toute culture est un mariage. Et dans toute religion, tout pays, du monde donne valeur à mariage. Même chez Coco, là. Nous donne valeur à mariage. Nous donne mener à mariage. Nous va prendre mariage en badinage. Même chez Coco, là. Merci Seigneur. Première importance de comprendre qu'il est bon Dieu quand on explique nous c'est quoi mariage. Nous pas gagner droit à marier garçon et garçon, tifi et tifi. Homosexualité n'est pas venue de Dieu, un démon ça. Mariage, c'est dire besoin d'un garçon avec un tifi, besoin d'un mâle avec un femelle, besoin d'un méchant avec une madame. C'est ça mariage, je te dis amen. Allez plus fort. Amen. Le message aujourd'hui c'est pour préparer beaucoup de jeunes pour le mariage. Et bien sûr, c'est qu'il finit marié pour réorienter, pour dresser. Je pensais le mariage. Je dis je gloire à Dieu. Avant qu'il nous continue, let's look at 1 Corinthiens 7, le verset 28, s'il vous plaît. Vas-y. 1 Corinthiens 7 et le verset 28. Peut-être c'est un verset qui jamais on lit, jamais on trouvait dans la Bible ça. Un peu vite, c'est ça? Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Allez, amen. Qu'est-ce que la Bible dit à nous? Si tu es marié, quand tu es marié, il y a un péché. Amen. Est-ce que la Bible dit que tu es marié, il y a un péché, ça? Un péché, c'est de faire la vie de marié? Non. Moi qui péché ça, mais la Bible qui péché ça. Je suis dit, il n'y a pas un péché. Il y a pas. On vient de là? Il n'y a pas de péché quand nous marions. Je dis amen. Mais en quel sens qui pas le péché, ça veut dire bon Dieu prend plaisir, bon Dieu content, donne valeur, l'estime, mariage. Je dis amen. À 16 ans, pas qu'à dire moi, parce qu'un jour quand vous mariez, ils ne vont pas me faire péché. Moi, on a 15 ans, on va marier, parce qu'ils ne vont pas me faire péché. Quand on lit ce verset-là, ça passe en jeu, il fait cause avec un adulte. Je dis adulte. 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 Grand du monde, il fait cause ici-là. Les enfants, tu restes enfants, toi. Quand tu es une grande, là, nous marier, toi. Alors, il est important qu'il comprend le mariage, il n'y a pas de péché. C'est ça? Allô, c'est ça? Est-ce que le mariage est un péché, c'est ça? On peut m'aider des filles, on peut faire péché, on peut faire des péchés là. Quand on m'aider des filles, on peut faire la volonté de Dieu. Je dis jamais. Maintenant, tout le monde qui t'aime, qui peut attendre un garçon, mais peut attendre un fille pour marier. Tout le monde qui t'aime, qui peut attendre un garçon, peut attendre un fille pour marier. Vous avez besoin de service à verser la Bible là. Tout le monde, maman, papa qui veut prier, vous avez enfants qui ont un petit qu'un pour marier. Mais ça devait bonger. Dieu bonger, vos enfants quand il y a pour marier. Il y a un péché qui est péché là. Je ne vais pas demander un garçon, une fille, je ne vais pas demander un mariage pour vos enfants, parce qu'ils n'ont pas le péché, parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas le péché. Je crois que vous gagnez dans le nom de Jésus. Je dis amen. Allez plus fort. Amen. Je dis le mariage, il n'est pas le péché. Et puis d'ailleurs, pour finir comme ça, c'est là pour qui là. Le mariage. Amen. Que la Bible dit dans Genèse 42, 28. Tiens, ça fait la pause. Qui la Bible dit Genèse 42, 28? Qui la Bible dit dans le nombre 23, 23? Un peu plus fort? Il y a beaucoup d'églises. Il y en a du monde qui appelle à l'église pendant 15 années. Un verset de la Bible, je ne sais pas qu'on porte. Vous venez là, nous faisons qu'on porte, mais un verset de la Bible. Mais vous venez un avec vous. Je dis amen. Le mariage est tellement important dans Jérémie 3, verset 14. Jérémie 3, verset 14.
Bon Dieu dit, mon père attend toi, pour vous marier en toi. Bon Dieu dit sa phrase. Le mariage, c'est moi l'important, l'évangile bon Dieu de Jérémie. Le chapitre 3, le verset 14. The Lord said, I am married unto you. L'important qu'il va être chrétien, nous comprend, quand nous sommes Jésus-Christ, quand nous mangeons avec le Seigneur Jésus, le Seigneur est marié avec moi. Mais quand une femme marie avec toi, est-ce qu'il te vit d'adultère, te vit comme tu l'es? Mais quand un chrétien, il comprend, il marie avec le Seigneur est marié avec lui. Pourquoi vous vivez dans le monde? Arrête de pécher, automatiquement vous venez. Parce qu'il comprend, le Seigneur est marié avec moi. Vous comptez dans la présence du Seigneur. Vous soutenez l'œuvre de Dieu. Vous travaillez pour le royaume de Dieu. Qui fait? Vous réalisez, vous réfléchissez, le Seigneur est marié avec moi. Vous pas qu'à réagir dans le monde, vous pas qu'à réveiller l'idolâtrie, parce que le Seigneur est marié avec moi. Ce que tu penses, c'est l'élément qui est marié, moi. Parce que c'est un garçon dérangement d'orbite. Maintenant, les mamans, c'est ce que vous sortiez en moi. Donc, effectivement, j'ai dit, je suis fini marié. Je suis marié à Jésus. Mais qu'est-ce que maman garçon a sauvé par les propos? Parce que un petit peu dérangé, mais fatigue-moi la tête. J'ai dit, je suis fini marié, moi. Mais pareil, quand tu es fiancé, quand tu es fiancé, quand tu es fiancé, pendant 4 ans, nous fréquentons, mon fiancé. Qu'est-ce que tu fais, toi, faire? Vous avez dans mon équerre, moi, je dis, je finis marié, moi. Au bon, qu'on fait cérémonie mariage. Mais mon vie, mon avis, pendant 4 ans, comment dire, je finis marié. À cause ça, les autres filles passent intéressement. À cause ça, les autres madames passent intéressement. À cause ça, les autres choses passent intéressement. Parce que moi, quelqu'un qui finit marié. À cause ça, le mot tu prends lit, quand c'est vers ça, tu vas à l'université, mon bénilé que ce cours l'université, mon amène lit, à titre lit, qui fait? Parce que dans mon équerre, je finis marié, moi. Le deuxième, moi, quelqu'un marié. Et même en enfant, je ne peux pas dire ça, mon mari avec le Seigneur. Alors, à Dieu, merci, Seigneur. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le mariage. Allez, ma fille. Que le mariage soit honoré de tous. Régalie. Que le mariage soit honoré de tous. D'aller en créole un petit coup. Qu'ils aient tout honoré au mariage. Je tout visais de l'honneur au mariage. Nous pas qu'à badiner dans le mariage. Nous pas qu'à marier qu'un kikan 5 ans, nous marier qu'un kikan 5 ans, nous marier qu'un kikan 5 ans. Je ne sais pas comprendre c'est quoi le mariage. Il y a une cause dans Maurice qui dit, les chiens là dans le mariage. Il y a une cause de Mauricien. Et nous tous Mauriciens, nous connaissons les chiens capables de faire un mariage avec. Si les chiens là n'ont pas vécu 20 ans, 10 ans, ils peuvent faire un mariage avec 10 chiens. Mais nous, bon Dieu, pas que nous, les chiens, bon Dieu, que nous, du monde. Je te dis, j'ai besoin de fidélité envers celle qui t'aime dans le mariage. Le mariage, il est honoré de tous. Dans la Bible ACV, une version de la Bible, il dit, marriage is precious in every way. Je te dis, le mariage, il est précieux, il est la valeur, il est important. Si vous-même vous parlez du mariage, comme un mariage précieux et la valeur, les autres du monde pour le mariage valeur. Au bisette qu'on donne valeur au mariage. Donne valeur, elle est précieuse, ça. Elle fait important, ça. Dans notre version BBE, lui dire, let married life be honorable among you all and not made unclean. Faut dire la vie du mariage, la vie du mariage, la vie du mariage. Lui disait vivre d'une façon honorable et faut pas se rendre sale, impur. Comment est-ce qu'il fait la vie mariage impure? Quand on cause que c'est aux femmes avec un autre qui qu'un, vous pouvez. Rendre ou la vie mariage impure. Quand on cause qu'on est marié avec un autre qui qu'un, ou peut rendre ou la vie mariage impure. Je t'écoute-moi bien. Ou peut-être que tu vois la caméra, ou écoute-moi bien. Quand on a le travail, on allait pour travailler là-bas. Pour qu'un ou 10 peuples amène la case. Ou pas l'air de travail pour raconter aux maris ou femmes qui me servent comment on peut faire là-bas. Ça, ça fait la case, là, il reste dans où la case. Les sacrins pour dire à la jeune que je te causais parfois, c'est qu'ils ont fait le lit ensemble avec madame, j'ai miché, en bande camarade, dans messe, quand on peut manger, je te raconte ça. Non, mon frère, monsieur, c'est pas bon? La Bible dit, faut dépeindre le lit du mariage. Qui le dit? Le lit du mariage. Et le lit conjugal, faut des lits exemptés de tout bon sujet. Faut dépeindre qu'un sale, faut dépeindre nous sale, nous lit mariage. De tout dire amen. Faut dépeindre qu'un adultère, immoralité, impureté. Sexualité, faut dépeindre l'IPV, elle donne la vie mariage.
Ça, c'est premier, comment on salue le mariage. Deuxième façon, comment on salue le mariage. Vous pouvez ressentir un mari, vous pouvez dormir dans même la salle, ça du monde-là, mais on a colère contre ça qui vient là. À cause, il pense sur le soulier. À cause, il pense sur le globe. À cause, il pense sur la grande machine à laver, ou bien la laver, un jour, vous savez. Alors, où on colère. Vous pouvez laisser même la salle qui lit, vous pouvez dormir le même lit qui lit, quand matin, vous levez ensemble. Mais seulement, je fais sale le lit du mariage. Ou la vengeance contre lui. Mon maman est venu devant le cuisinier pour lui. Quand ton maman est venu, il ne va pas vous cuisiner pour toi. Vous pouvez la vengeance contre lui. La vengeance, il sale le mariage. L'amertume, rancune, il sale le mariage. Et là, tu vois, j'ai dormi dans même l'idée de je madame, je monsieur. En même temps, spirituellement, je vais tuer ce monsieur, je vais tuer ce madame. Hein? Comment nous faire ça passer? Jésus dit, si tu haïs et ton frère te sert, tu commences à commettre un meurtre, tu te tues. Et pense un coup, tu vas au moment où tu es en colère, où tu es dans l'amertume contre ton propre mari ou propre femme. Qui, quand on se défend, prend un couteau spirituellement, on enterre dans son équerre. Et c'est moi, on verrait sans ça, mon lit. Je dis, c'est le lit du mariage. C'est un God pur. Vous pouvez pas quand même penser, ben le lit. Vous connaissez, vous mettez une assurance, vous pensez, quand il m'a dit, dans les versions, qu'est-ce qu'il dit? Mais pasteur, comment est-ce qu'il me peut donner l'honneur à mon mariage? Qu'est-ce qu'il a vu dire? Have respect for marriage, always be faithful to your partner. Dans la Bible CEV. Fidélité envers ton mari, envers ta femme, fidèle, sincère, fidèle. C'est comme ça qu'il te garde ton mariage pur. C'est comme ça qu'il te honore ton mariage. Le tout jamais. Il y a verset 5, votre fille, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, que Dieu lui-même a dit. Get on with it here. The way of life is to be without the love of money, be content with the things that are present. Une des bonnes raisons qui fait dans la guerre devant le foyer, c'est l'argent. Brina, l'argent casse. Une des bonnes raisons qui fait dans la guerre de foyer. Lève la main là-haut, tous les enfants qui nous attendent, de maman, papa, discuter à cause de casse. Cause moi, nous attendons, mon maman, mon papa, discuter à cause de casse. Tout coûte moi-même qui vous payez. Toi, tu pas payé. Moi, je paye ça, c'est rien ça. Tenez que faire dépense. Paye-nous, c'est casse. Pas vite, ben là, nous payons nous-mêmes. L'argent, il vient un gros problème. Est-ce qu'il n'est pas étonnant que la Bible dit, toi, tu besoin d'honorer ton mariage? Dans sa même verset-là, après, il montre toi, qui sont capable de déshonorer ton mariage? Et ça, mais ça, il passe juste pour assurer que son madame qui fait marier, il faut tout le monde qui l'a. Faut du pas dans la vie mariage, là, on sort un problème, problématique. Si Marie-là a un gros poste de travail, il y a plus beaucoup de casse que madame-là, alors la guerre à cause de Marie-là amène beaucoup de casse. Si femme-là a un peu de travail, il y a un casse dans la casa, alors femme-là, la guerre, moi, mon petit ration, moi, mon pépé, tu ne peux pas faire un rien. Lui, il n'y a pas une vérité. Lui, il n'y a pas vrai ce qu'il te peut dire. Mais pas comme ça qu'il disait faire ça. Est-ce qu'il veut dire la même? Ça, mon casse, ça, ça, casse, ça, ça, mon casse, mon fessé qui gelé. Non, mon frère, monsieur. C'est avec ça qu'on m'a donné mon compte, c'est avec ça qu'on m'a mon code dans mon carte ATM, c'est avec ça qu'on est combien moins an, mon connaît combien ça va ça et non, ma dépense qui nous fait, nous tombe d'accord, combien c'est d'une envie faire, nous tombe d'accord. Tous les mois, quand nous gagnons la paix, nous sommes d'accord pour tenir somme l'argent pour me donner l'autre joint account, c'est dans sa joint account là qui nous passe les rations, nous vous payez tout ce qui est besoin. Un bon principe ça. Je crée un joint account, je tiens 5 000 par exemple, je mets dans sa joint account là, c'est là-dedans qui nous fait une bonne dépense. La lumière, téléphone, ration et tout ce qui est besoin. Les dépenses, comment je peux vivre, qui consiste pour faire bonne dépense. Sinon, vous connaissez qui va arriver? Elle là pour dire, tu vas pas gâter la lumière là, je vais payer la lumière, toi, tu vas payer la lumière, moi, je vais payer la lumière, je vais donner ma lumière. Toi, tu vas payer sa courant là, tu vas gâter sa carreau là, ça fait à repasser là, tu vas faire la guerre là. On t'aime nous, c'est des blancs. Il a allumé les billets. Bienvenue. Mais quand je mariage, si vous pas donnez l'honneur, et n'importe qui, vous dites, pasteur, moi, j'ai voulu mon mari, écoute sa message là. Là, moi, j'ai voulu mon femme, écoute sa message là. Moi, j'ai dit, bon Dieu, moi, c'est qui m'a besoin de dire ça dans le monde là? Écoute, si toi, sans effet de part, bon Dieu, vous faites mari là, femme là, fait ce part. Ça, c'est première affaire. Deuxième affaire, Rico, sa message là. La case me dit, c'est faux, pas faux, c'est ce que vous message là. Mais si vous avez un message là, je dis jamais. Alors, vous ne pouvez pas virer, tourner, virer, et dans la guerre, discussion tout le temps concernant casse dans la case. Quand janvier vient, c'est un problème, ça, c'est. Certes, quand janvier vient, frère, c'est un gros problème, ça.
Les enfants se souillent, se lassent, se saucent, se lisent, se cahier, se laissent tout. Problème là. Il n'est pas bon, mon frère, mon père. Il n'est pas bon. Tu as fait discuter dans la case à cause case. Et que de sa vie, c'est là qu'il dit, depuis cause du mariage, la Bible est satisfait avec ce qui tu es non. Tu peux te faire te dire, j'ai dit, tu es bien satisfait avec ce qui tu es non. Ou pas qu'à la vie d'un ami mariage, ou pas satisfait, et qu'une femme ou mari, ou se manger, se prendre, se lécher, se longuer, se couler, se siffler. Comme tu mariages, tu es un CV, tu es un CV. Comme tu mariages, tu es mince, c'est un lundi. Tu n'es pas capable de penser là, mon frère, mon cher. Je dis, j'ai bien satisfait à moi, et que c'est qui moi non. Tu ne peux pas arriver à la vie morale, et qui doit faire? Voisin a fait ça, moi aussi, mon business. Qui est là-bas? Moi aussi. Moi aussi, j'ai ces machines à laver. Moi aussi, j'ai ces machines lave l'assiette. Moi aussi, j'ai une machine lave l'assiette. Nous ne sommes pas capables de vivre à la vie morale, qu'on voit ce qui les autres, non. Ou bien, pas satisfait, c'est qui ou non. Vous maman, c'est mamzé, c'est la ville. Il mourit dans l'endroit qui appelle Petite Cabane. L'année 80, 1980. Ceci dans la ville, il a le corps des masses pavées. Et là-bas, la case est maçonnée. Catavasse. Mon maman va dire à mon papa, ah, j'ai besoin de voir la case comme la ville, maman, je suis la ville, moi. C'est elle qui l'a dit, moi. Non. Qui mon papa, qui mon maman père? Il doit être satisfait de ce qui est, non? Ramasse case, doucement, doucement, j'en ai cet intérêt, mon maman et mon papa, 15 pères. Doucement, doucement, ramasse case, il monte la case. Comme vous pouvez me connaître longtemps, nous passons la casse pour finir la pause. Nous prenons seul, nous boussons, plat, que je supposais mettre la pause, après nous mettons du bois. Vous connaissez ça dans l'époque là? Mon maman est satisfait avec ça. Mon papa est satisfait avec ce que je dis, non? Si vous avez des typhies, vous êtes satisfait avec des typhies là. Je dis que j'ai besoin d'insatisfaction, même avec mon bon enfant. Parce que mon est 16 enfants, satisfait avec ce que tu es, non? Parce que mon est 10 enfants, satisfait avec ce que tu es, non? Nous sommes satisfaits de ce qui nous est là. Je te dis, j'aimerais comprendre la pasteur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce n'est pas une maladie, jamais assez. Femme-là, jamais assez. Quand c'est vous allez, quand c'est souillé, quand c'est saucé, quand c'est. Parlez-moi, jamais assez. Marie-là, jamais assez de manger. Tout coûte un visage de lui manger même. Non, mon frère, monsieur. Ce n'est pas une vie de Mr. Mrs. encore. Mr. Mrs. too much. Mr. and Mrs. not enough. Je dis, j'aimerais bien être satisfait avec ce qui m'est non. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Je dis, j'aimerais bien comprendre là. Et là, ça par hasard, je vous déchirer là, ça par hasard là. Ça par hasard, je vous déchirer là, évidemment, mon cahier. Je vous plastifier là. Et là, vous commencez à faire moyen, vous prenez ce message. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Vas-y. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Venez à nous contents, à nous dans la joie, à nous dans la joie, à nous réjouir, parce qu'il y a un mariage de l'agneau. Écoute ça, mon frère, mon cher. Il y a une jolie révélation là-dedans. Jésus-Christ, il est lion de Juda. Jésus-Christ est un lion aussi. Mais la Bible n'a pas dit mariage lion. Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux. Mais la Bible n'a pas dit mariage du Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Mais la Bible n'a pas dit mariage pour le roi des rois. Qu'est-ce que la Bible dit à l'Apocalypse? Vie, mariage de l'agneau. Quelle différence entre lion et l'agneau? Comme j'étais un agneau, j'ai mis ma qui dans la tête comme j'étais un agneau, un mouton, un brebis, un agneau. Qui premier mot pense mis dans la tête? Bon, cela est fini là. Est-ce fini, est-ce fini, est-ce fini? Un agneau, les doux. Mon frère, mon cher, dans mariage, nous, bisez, doux. Je dis amen. Ou pas qu'à aigre dans mariage, ou pas qu'à aigri dans mariage, ou pas qu'à dans l'amertume dans mariage. Quand la Bible dit mariage de l'agneau, il fait cause, ou bizarre dans le même caractère, tout le monde peut prononcer. J'ai dit, te bizarre, viens comme un agneau. Allez, je vais pas dire. J'ai dit, te bizarre, viens comme un mouton dans mariage. Tu vas entendre si l'autre mari, là, descend de mari. 1, 2, 3. Tu vas le marier à 700 autres femmes, te visant un mouton dans le mariage. Si tu m'as dit un lion, si un lion est dans le mouton, tu vas arriver. Lion vous mange mouton. Et même qui trouvait mari, la femme, elle mange dans les foies. Elle me dit, t'as mangé dans les foies, t'as mangé dans la vie, je vais voir mon disant. Qui fait? Parce que un lion est dans le mouton.
la guerre en tout temps. Elle profite, abuse de le talent en tout temps. Caractère lion. Si vous commencez à tous les deux lions, si tous les deux lions, waouh, ça se fait waouh. Non, non, j'ai ridicule moi seul. Waouh, waouh. Si tous les deux lions, vous connaissez qu'il va arriver pendant la guerre, pendant la discussion, vous vous êtes occupé, hein. Des lions pas capables de rester ensemble. Quel bon documentaire vous trouvez? Des lions pour la guerre pour chacun de votre territoire. Des lions pour la guerre pour gagner un seul manger. Des lions car la guerre pour venir sans qui vous régnez sans vous gagner sa place. Vous connaissez dans la guerre pour faire de foyer? Parce que tous les deux, ce caractère, comme on dit, lion. Mais jamais vous trouvez des moutons à la guerre. Allez, vous avez trouvé des moutons à la guerre? Vous avez trouvé un mouton, c'est comme ça. De l'épée, X-Men, X-Men, Wolverine, sing de l'épée, splicing de l'épée, ferraille sortie de la main, ah, c'est pour la guerre. Au contraire, des moutons, quand c'est frais, chacun écoute son camarade, des moutons, quand un âne perdu, il continue à crier, ce qu'elle veut attendre sur la voix pour lui gagner un chemin divin. Des moutons, donne un coup de main sur le camarade, des moutons, et dit. Prétendez, ben jeune, si il y a des mariages, je suppose, non? Il n'y a pas que tout maman ou papa qui n'est pas si chrétien ou bien depuis, après un peu les temps de vie chrétien, je vais amener un avis moral qui n'est pas comme la Bible dit. Vous savez, les messages aujourd'hui là, les façons, les dresses, aux mentalités, aux raisonnements, c'est quoi un mariage? Même si déjà marié un vieux psycho, le mariage, vieux psycho aussi nous a raboté. Qui vous dit, pasteur? Vieux psycho aussi nous a raboté. Non, mais il est où? Nous a raboté, nous a poli, des psycho, vieux psycho. Mariage de l'agneau! Mariage de l'agneau! Au bizarre comme un agneau, au bizarre doux. Au bizarre doux. Quand causer, au bizarre doux. Ou action, ou réaction, au bizarre doux. Dans le mariage. Et nous en faisons, mon bizarre. Comme je dis l'agneau, qui vient de la tête? Sacrifice. Qui la Bible dit? Voici l'agneau de Dieu. Sorry, Jean-Baptiste disait ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand nous causons l'agneau de Dieu, qui nous pensez? Jésus-Christ qui s'y donne lui-même comme un sacrifice. La vie mariage, c'est un avis sacrifice. La vie mariage, c'est un avis sacrifice. Et les mazavas, ils ont besoin de sacrifier pour lui, et les mazavas, ils ont besoin de sacrifier pour toi. Quel sacrifice je vais vous, madame? On arrête de faire football, pasteur. Un sacrifice, ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous besoin qu'on fasse un sacrifice. Vous besoin qu'on fasse un sacrifice. Avis Morias, hein? C'est qu'on fasse un sacrifice. Ça vient de donner un exemple. On nous continue. Je vais dire mon bébé ni là. Et ce qui est plus joli, qu'est-ce que c'est premier mot, première phrase qui disait l'Apocalypse? Quand il dit mariage de l'agneau. Quand on commandait agneau, quand on dit comment agneau, quand on a l'attitude pensée pour faire sacrifice pour ça qui est là. Tu es fatigué, le Seigneur est fatigué, il dit pas, sauf ça, tu es là pour moi. Tu vas aller te sauver, tu es là. Te sauver, manger là. Tu es fatigué, tu es fatigué, tu laves l'assiette là. Tu es fatigué, tu es fatigué, tu as dit pas qu'ils ont dit chérie, mais parce que Jésus vient m'emmener. Un exemple, on peut donner. Fais sacrifice. Michel veut dire, on ne va pas passer une chemise pour moi pour l'année. Seigneur, on va passer un joli linge, un joli robe pour toi. Sacrifice. Quand on vit avec sa qualité mentalité-là, qu'est-ce qu'il dit premier mot? Réjouir. Tu pour dans la joie, tu pour réjouir. Toi-même, tu pour réjouir sur la vie mariage. Si tu as sa qualité d'attitude-là, je te dis Amen. Et là, moi, toujours, je peux bouger, je rire, peut-être ce monsieur, ce madame, ça allait dans ta honeymoon. Amen. Luc chapitre 20, verset 34. Luc chapitre 20, verset 34. Vas-y. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Hein, il ne dit pas dire given in marriage. On dit prennent des femmes et des maris. Mais en anglais, monsieur. Let us speak English today. Allez, vite, vite. Verset 34. Children of this world are given, are marrying and are given in marriage. Voilà, souligne ça, are given. Mais j'ai dit, moi, quand marié, je vais être donné en mariage. Je vais être donné dans le mariage. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Parfait, monsieur David, que ça verset là, et prends votre plume, écrit à la barre de que ça verset là, écrit à Luc 17, 27. Il y a Luc 17, 27. Les hommes. Manger, buvez, se marier et marier les enfants. Se marier et marier les enfants. Mais ça en anglais? They were given in marriage. Qui se trouvait dans sa déversée là pareil? Brinda, qui se trouvait pareil dans sa déversée là?
est donné le mariage. Tout le monde peut aussi. J'ai dit mariage. Et j'ai dit dans mariage. Moi, vous êtes donné vous-même. Il est facile pour une casse, frère. Le travail de la casse, c'est facile pour toi, mais casse d'une femme, casse la case. Est-ce qu'il te donne l'attention? Est-ce qu'il te donne mal parole doux? Est-ce qu'il te donne mal merci quand il fait une affaire pour toi? Est-ce qu'il te donne mal je t'aime? Est-ce qu'il te donne mal te robe qui jolie aujourd'hui? C'est pareil pour madame Lancy. Et te raser aujourd'hui, la jolie garçon aujourd'hui, la raser bien trop là, et c'est vétaine aujourd'hui là. Aujourd'hui même là, révélation ça. C'est pas joie, mon mariage, c'est. Hein. C'est mort, c'est visite, vini frère. Et puis moi aussi, moi j'ai dans le salon, hein. Mort, c'est visite. Au bien, dans le salon de Dieu même là, mais. On s'est vivre vite. Peuple de Dieu, nous devons apprendre de nous-mêmes le mariage. You should give in marriage. Some people, they give up in marriage. Ça veut dire give up. Abandonner. La Bible pas dit d'abandonner le mariage. La Bible dit you give in. You don't give out. You don't give up. You give in marriage. Donne nous-mêmes dans le mariage. Malheureusement, il y a du monde qui nous dit les causes du mariage. Ça veut dire que ça là. Donne-nous le cœur, ou le temps, ou la vie, ou la voix, ou vos paroles, ou l'idée, ou regard, ou sentiment, ou fidélité, ou la prière, ou encouragement, ou soutien. Voilà qui vous a donné le mariage. Je dis amen. Merci Seigneur. Donne-nous-mêmes dans le mariage. Quand on va donner dans le mariage, bonjour, qui vous fait? Prenez la côte, voilà, Tiens, passe, on va faire dans la tête là. Moi, quand à cause d'un bon Dieu, je vais voir un message aussi. Donne ça là. Allez, viens, télévé. Non, moi, je prends ta mère avec ton cousine même. Comme ça, tu es ta mère. Viens à tes cousines. Dès que vous faites la mariage, when you don't give in marriage, rissé, je suis rissé. Je fais poule. Pas poule avec l'ichin, poule. On va pas dire hen. H-E-N. Non. Poule veut dire je peux risser. Risser un coup pour là. Alors risser un coup pour là. Risser encore. Risser pour là. On veut dire chacun. Allez, go. Dans les mariages, quand tu vas prendre donner, tu vas prendre grisser, apprendre tirer. Merci, je ne vais pas mettre de ici. Qui la Bible vient nous? Elle a pris beaucoup. La joie, comme on donnait, qui comme on gagnait. Ah, mon Michel, pas satisfait, moi. Ah, mon madame, là, pas plaît, moi. Ah, mon Michel, là, n'est plus intéressant. Ah, mon madame, là, n'est plus intéressant, moi. Après, on donne l'amour, après, on donne l'attention, après, on donne un mouvement, après, on donne mon frère, mon soeur. On est au pédé capable de recevoir. Après, on donne. Il n'a plus beaucoup la joie quand on donnait. Le Dieu, gloire à Dieu. Le Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. À nous continuer. Matthieu 25, verset 10. La Bible dit, elle a dit, oh non, laisse-moi dire ça verset là. Psaume 78, verset 63. Psaume 78 et le verset 63. 78 et le verset 63. La Bible ici, il souligne un mot bien fort. Et tout maman, papa dans l'église pour d'accord en moi ici là. Surtout pour d'accord dans l'église. Qui dit Psaume 78, verset 63, qui nous, 64? 63. Ben, vierge, qui est donné en mariage. Et un joli mot qui nous servit la virginité avec mariage. Il est important nous garder nous vierges pour le mariage. Tout le monde peut aussi. J'ai dit nous bisons garder nous propres pour le mariage. C'est mon bisou monter pour dire la Bible dit ça. Si mon père dit ça dans l'église, là où vous trouvez un petit fils, un garçon, ça va une commérance dans l'église. Vous même avertir au lieu mon pasteur de dire parce là mon bisou prend la surface que le bandit malakien gagne. Nous bisons garder nous plus mon frère mon sœur. Et là on peut constater tout un jeune qui est dans l'église là, on n'a pas gagné quoi gagné la relation sexuelle avant de marier. Je dis jamais. Parce que la Bible dit le lit du mariage, je disais, gardez pur. Parce que la Bible dit, ben, bien, je marié. La Bible dit ça, mon frère, mon sœur. S'il arrive un accident dans la Bible, on sait qu'il n'y a pas resté où. Là, mon père, comment qu'il a là? Je dis, amen. Tout qui ken, tout garçon qui ne rectifie là avant de marier, il redemboute la viande, il est avant de marier. Après, il y a un beau pire du monde là. Parce qu'il se suit dans la Bible, ça. La Bible, il finit de montrer nous. Vous racontez une histoire dans la Bible. Un jour, c'est un garçon qui s'appelle Amnon. Amnon, ça avec ta mort? Amnon. Un jour, c'est un garçon dans la Bible qui s'appelle Amnon. Amnon, il est un démissaire. Bien joli, qui s'appelle ta mort. Joli, plus joli qu'il est passé, non? Joli, tu pis. Garçon-là, celui qui a battu tout. Tchac, 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 tout, tchac.
Battez pour ce fille-là. Non, vite ce fille-là. Il n'y a pas envie de mourir, il n'y a pas envie de faire une relation, il y a envie de faire l'école. Et je voulais qu'il arrive, un jour, son camarade, je lui dis, tu sais comment j'étais malade, et que j'étais papa, je l'ai amené manger pour toi. Alors il fait comment j'étais malade. Et là, papa là, amène, fais ce fille-là. Papa là, il dit, qui te gagne, mon garçon? Moi, envie de manger, quand ça se fille-là, viens, puis manger pour moi, là, moi, vous manger. Allez, t'as gagné, tu fais malade, donne-moi, puis manger pour lui. Non, mon liquide, moi, la femme, j'aime la peau, tu sais, moi, la femme, liquide, moi, la femme. Tu fais la rentrée, puis il me donne pour manger. Quand tu fais la même manger, quand tu dis au Lili, il risque de faire la guerre, il a son sexuel, il abuse de ce fila. Et quand il finit, il pousse ce fila, il gagne dégoût de ce fila. C'est ce qu'on appelle lust. Et il y a une différence entre lust avec love. Lust, comment tu sens français? Envie. Envie. Quand quelqu'un a dit ça envie toi, il vous vomit toi après. Garçon, là, j'aime pas les toi. Allez, allez, pousse, y allez! Tu vas dire, c'est fini des zones au moins. Mais à cause de mon maman, à cause de mon papa, demande-moi là, mais nous mariez quand même ça. On se dit, non, mon père est comme ça, mon père est comme ça, tu vas aller là, tu la guerre, tu es comme malade pour que tu te figures. À ça, il n'y a plus envie de te figures. C'est un capillus, un démon, ça, hein? L'esprit lust. Un démon, bien, c'est passé, ça. Alors que ça, tout bonne jeune, tout bonne jeune fille dans l'église, tout bonne jeune garçon dans l'église, nous disons, enfin, nous, moralement purs. C'est tout, j'amène. Mon pasteur, c'est mon responsabilité, c'est où ça? Si vous maman ou papa pas cause comme ça avec vous, il me divorce, il y a où ça. Je te dis encore à Dieu. Merci Jésus. Matthieu 25, verset 10. La Bible dit en 10 vierges. J'ai un petit fils, je suis fait attendre l'époux venir pour un mariage. Et la Bible demande, je suis fait attendre. Je suis prêt. Le verset 10. Ceux qui sont prêts, je ne rentre dans la salle mariage. Et la porte s'est fermée. Parce que je suis prêt avec eux, le verset 4, je la lampe avec de l'huile. On raconte juste à l'histoire là, hein, intéressant. Je suis prêt, ceux qui sont prêts, tu rentres dans la salle mariage. Je te dis, ceux qui sont prêts, tu rentres dans la salle mariage. Si vous n'êtes pas prêt, tu n'as pas marié. You need to be ready to get married. Mais beaucoup de gens disent, moi, mon père, tu prêt, moi, mon maman, tu fais au moins 16 ans pour marier. Mon père, tu prêt, moi, mon papa, tu dis, moi, je suis marié 18 ans. Mon père, tu es encore prêt, moi. Si tu demandes encore un peu les temps, moi, tu peux peut-être pas me changer, pas du monde là. C'est ça qui arrive au la vie, bon Dieu, garde ce où. Mais là, mon petit cause, mon bon jeune, qui est là pour marier là. Est-ce que mon petit bien dire l'affaire? Je suis pas d'accord, grand chose, ça va d'abord le moins. La Bible dit ceux qui sont prêts, tu rentres dans mariage. Ou bien prêt émotionnellement. Ou bien prêt. Au frère, mon petit poulain, on est quand même allé de marier. Vous êtes prêts pour marier. Et moi, ça fait tout pas de chaptan pour pas arriver dans mariage. Ma cause qui déroulait. Ma quelque chose qui est arrivé. Comment pour handle? Pour nous, pour diamant, passer un mot plus facile. J'ai un carail chaud dans la cuisine. Qui est mauvais, mauvais, mais un mot mal, mauvais, 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 mauvais. Il est plus facile, passer un mot, j'ai un tempo, pour faire lui souffler. Qui est mon. Elle passe son poli, c'est un dialogue, ça n'a pas besoin de coller, il va dire mon sein, il va me dîner là. Mon frère, monsieur, je vous ai pris dans le mariage. Ou vous êtes pris financièrement dans le mariage. Ou pas qu'un garçon qui pas peut travailler, il n'a pas travaillé par la main aujourd'hui. Hey! Si un fille dans mon église, un garçon vient demander sur la main, il n'y a pas de travail, garçon là. Il y a une copie. Puis il y a le travail. Il y a le travail avant, il y a la paix avant, il y a la cuisine avant, il y a un budget avant. Après, il vient de marier avec nos petits filles, hein. Ne pas dire que moi, il faut contrôler, mais c'est dit de travail. Après, il faut être avec ce papa pour donner l'héritage, après, il faut faire un business. Maintenant, après, nous marier. Later, sometimes never come. Le rôle du monde qui me paraît pour le mariage. Et pas comment il finit fiancé tout, un mois avant mariage, il dit, moi pas prêt. Tu finis fiancé tout, il finit prêt pour le mariage, un mois avant mariage, je ne suis pas prêt. Tu es malade. Et pas tu pries. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, il dit, bon, écoute ça. Faut pas s'amener à un prêtre que ça sert au péril dans l'église, une gars 40 ans, 50 ans, frère, va vous marier, si on va vous marier, non, on va comprendre, pasteur. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, l'église va encore prêt, même. Non. Et le matin, fait de beaucoup manger, Seigneur, on connaît mon prêt, et sa porte qui me fait encore prêt, là, prêt pour moi, Seigneur, on peut rentrer pour la foi, le mariage. Le matin, fait de vous être pour la foi, fils. Sinon, tu ne peux pas attendre 100 ans pour marier. C'est pas bon, non? Quand on arrive là, se marier, nous devons marier. Je te dis jamais. Ta maman, ton papa, pour connaître quand on prie. Ton pasteur, pour connaître quand on prie. Ton même de tous les quais, pour connaître quand on prie, pour marier. On rappelle, mon cas prend ça l'exemple, tu rappelles que je vous marie civil, je vous marie. Et là, tu me dis, toi, attends un petit moment, me baptise-y, mais si continue une église, nous qui persévérer, je t'ai dit de nous dire baptême, après nous marier.
Parce que maintenant, quand tu dis, mariez-moi, pasteur. Mariez-moi, pasteur. Tu vas attendre ton enfant. Vous avez une persévérance, ce week-end. Vous dites, gloire à Dieu. Je ne rentre dans la salle mariage, ce qui tu prie, nous disons prier. Après, la Bible, dis-moi, le verset 10, la porte s'y ferme. Tu veux que tu prends au ciel. J'ai dit, la porte s'y ferme. J'ai dit, la porte s'y ferme. Quand vous mariez, vous êtes content de la porte. Vous ne pouvez pas finir marié, vous faites encore la porte voisin pour venir tout. Je connais qui m'a fait causer là. Vous ne pouvez pas finir marié de travail, vous faites encore la porte, la porte, une nouvelle qui se barre. Non! La Bible dit, quand vous mariez, la porte s'y ferme. Je dis amen. La porte s'y ferme. Je dis amen. Dans la porte, nous faisons tout, s'y ferme. On a diminué là. Dans la porte, le WhatsApp, s'y ferme. Vraiment, je connais qui m'a dit, je m'en. Frère, il m'a posé une question, frère. Qui est plus facile? Ferme la porte ou mettre dans la bouche? Là, j'ai dit, qui connaît qu'on fait ça? Il y a du monde qui n'a pas fermé la porte, mais pourquoi causer, c'est mort? On peut aller, on peut aller, mais sinon, on connaît la porte, bam! Maintenant, on peut causer, allez, on peut causer, on peut causer, allez, allez, allez! Ça me dit où? C'est facile, ferme la porte, j'ai une chance. La bouche, ça qui va qu'à fermer. Mais aujourd'hui, moi, vous montrez, vous faites ferme la bouche, si, pourquoi? Tout le monde peut faire aussi. J'ai dit, ferme la bouche! J'ai dit, ferme la bouche! J'ai dit, ferme la bouche! Hein? C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Comment ça sortait là dire? Ça sortait de l'école des enfants, ça? Ça sortait de l'école des enfants. Nous vous préparons-nous dans les mariages? Les bizarres, ferme la peau d'un mariage? Ferme la bouche d'un mariage? N'a pas répondu, Brice? N'a pas répondu? Et vous dites jamais, 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 jamais! Jamais je viens dire, mon vie quitte toi. Mon vie finit en toi. Vous voyez, jamais où j'ai ça. Le moment où j'ai ça, ça va être parole là pour rester dans l'air, un jour pour vous arriver. Bon, coupe, 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 toi. Vous faites avec Macédoine. Bon, vous coupez toi, Julienne. Ça va une façon coupée, coupe les légumes, ça. Enfin, qui a la cousine, vous comprenez que mon vie, non? Non, mon frère, monsieur. Mais c'est qui dit encore? La Bible dit moi, le verset 4, Balak qui prend la lampe, après Balak qui prend de l'huile. Balak qui prend la lampe, après tu prends de l'huile. D'après toi, qui fait la lampe l'époque longtemps? La terre. Je tu prends la lampe et l'huile pour rendre un mariage. Qui tu prends? Allez, un peu plus fort. Après, qui tu prends? De l'huile. Qui tu prends? La lampe. Qui tu prends? De l'huile. La lampe avec qui tu fais? La terre. Nous les quoi? Ah bah, c'est moi, c'est toi là. Nous les quoi avec qui nous faire? La terre, la lampe là qui est représentée, la terre, l'écho, nous l'écho, de lui là qui est représentée, présence de Dieu. Tu vas qu'à rendre un mariage avec ton écho. Beaucoup du monde se marient, ils ont l'écho et le marié. Rendre un mariage avec la présence de Dieu. Je lui dis amen. Le mariage, tu ne vas qu'à mettre sur la lampe. Et qui l'habite dans cette histoire-là? Tous ceux qui t'énergissent la lampe, passez dans de l'huile. Je vais rendre un mariage là. Beaucoup du monde est marié, mais je vais rendre un mariage. Beaucoup de gens disent, ils ont des corps, ils marient. Ils ont des corps, ils marient. Vous avez la présence de Dieu dans le mariage. Vous avez la présence de Dieu pour pardonner. Vous avez la présence de Dieu pour content. Vous avez la présence de Dieu pour prier pour lui quand il est malade. Vous avez la présence de Dieu. Vous parlez un peu plus loin. Soulignez ça à la télévision là-bas. La Bible dit moi, le verset 5, vous quoi? L'époux tarda. Voilà, le verset 5. L'époux intardé. Pas l'époux, dans la tête. Non. L'époux veut dire Marie. Monsieur là entendé. Et quand monsieur là entendé, qui va en faire? Ben, on attend. Quand t'as entendé, qui te fait? T'as entendu aussi, non, t'attends. Un des bons secrets pour un mariage réussi, c'est qu'on attend. Je te dis amen. Je te dis amen. Je te dis amen. Je te dis qu'on attend. Mais vous posez une bonne question, je te demande besoin d'attendre. Mais vous posez une bonne question, en plus faux, je trouve comme un gros, la foule là, je te demande besoin d'attendre. Commencez pour conclure, qui visait faire? Ben, c'est dit, allez, passez! Donnez, passez! Allez, nous réjouis! Quand arrive pour conclure, qui visait faire? Quand monsieur Banco, ça se dit pas, il la boutique, qui visait faire? Quand monsieur là fait travail, ben, je dois apprendre par contre de maman! Voilà, donne-moi. Allez, emmène-moi, bel état, emmène-moi comme ma maman. Quand monsieur là pour qu'on gagne sa confirmation de ce travail, qui vous a fait? Quand monsieur là, c'est toi, un jour, nous pouvons partir. Et là, nous ferons ramasser ça, qui vous a fait?
Quand cela te donne normalement les autres dépenses pour faire là. Tu faisais faire 20 ans. Bon, écoute ça, hein. Si vous êtes à l'église, vous avez une église, vous êtes ouvert l'église. Vous ne pouvez pas penser à verser la Bible ou vous marier. La Bible dit, tu vas attendre moi. Hein? La Marie, là, vous avez montré une autre verset de la Bible. À l'heure de la prière, Pierre exhorte, allez vous prier. Ça verset là-dessus, non? À l'heure de la prière, on a ça le prier. Vous verrez là-dessus, la Bible est bien balancée. Ne disait qu'on attend, mon frère, monsieur. On a demandé ce verset sur la main. Ce maman, ce papa, nous attend 4 ans. On attend 4 ans. On attend 4 ans. Pas pressé, vous mourir. Et nous prenons une décision. Ne pas pour gagner une relation sexuelle avant de mourir. Et nous donnons nos décisions. Ne pas pour. Les mains affaires, nous ne prenons les temps pas attendre. Mais tu as envie sans le tout, nous attendons. Nous venons le tout l'année passée, nous attendons. Pourquoi un an avant d'attendre le tout? Nous attendons. Ben, d'après, nous attendons, mon frère, monsieur. Vous savez qu'on attend. Un grand secret, ça, nous attend. La casa qu'on ne peut pas encore compléter. Attend. La casa pour compléter un jour. By this time next year, things will change in that house. Je dis gloire à Dieu. Nous disons qu'on prend qu'on a un retard. Nous disons envie d'attendre. Nous disons capable d'attendre. Nous disons capable d'attendre. Quand c'est pour ça, tu fais une petite intervention d'hôpital. Mon Algetli, on fait que ceci est pour, on fait que ceci est d'avion, on fait qu'atterrir d'avion. Et pas si bien, monsieur Zamanis, direct l'hôpital, tu fais une petite intervention, l'appendice, une petite opération, l'appendice. On va retourner à la salle, je dis, on va fatiguer, pourtant tout. Nous parlons, nous attendons, on attend le lit. On retourne dans l'hôpital, on dormit ensemble dans le lit, à côté du sofa. Mais là, l'endemain, on prend mon madame, on retourne à la case. Et moi, tu dis, on va pas retourner à la case sans mon madame. On va pas retourner à la case sans madame. Hein? Je venais pas qu'à rester à l'hôpital, nous, on est à la case. Vous prenez nous pas la case. Je dis gloire à Dieu. Merci Jésus. Bonne frère, allez la main là-haut. Vous dites, c'est en anglais, je ne sais pas comprendre, il y a la prière, je sais lisser. Je dis, I will be the greatest lover. Allez, ma madame, si la main là-haut. Je dis, I will be the greatest lover. Vous pouvez être meilleur amoureux qui est capable d'exister sur la terre. Si c'est comme ça, vous avez dit. Si c'est la prière qui motive. Avant même qu'il me soit un serviteur. Depuis, même la prière me motive depuis bien jeune. Je dis, Seigneur, moi, vous m'auriez qu'un du monde qui n'est pas comme toi. Seigneur, quand vous finissez comme toi, comme vous servez toi, mon madame, si vous servez toi. Mais la prière me motive. Gloire à Dieu pour ça. Ok, nous retenons le message. Le verset 6 qu'il dit, le verset 6. Le verset 6. Quand l'époux est venu à soi, regardez-vous, il est venu à soi, verset 6, au milieu de la nuit, 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 maintenant levé. Vous pouvez me dire, la vie mariale, c'est dans la vie. Si vous êtes levé à soi, vous êtes levé à soi. Vous jamais. Si à soi, ce vent, vous êtes levé à soi, vous êtes levé à soi. Si à soi, par exemple, il fait un fin. Attends, j'ai dit, avant de manger, je me suis dit, je me suis dit, avant de manger, la cousine, la même. Non, mais papa, comment? Est-ce qu'on paraît pour lever parfois même à soi, si besoin, pour madame ou même pour monsieur? C'est ça qui me fait causer, là, on vous a préparé pour le mariage. Mon écrivain en anglais dans mon cahier. La vie mariage, c'est dans la vie, que time does not matter for you. Écrire ça dans le cahier. Time is not a factor. Time does not matter. Parlez comment pour moi? 4 ans, mon la vie, mon attente, c'est vers ça, moi. Si je suis marié, moi, avant, il y a une taxe, on va tout vous payer. Moi, tu vous mettez dépendant, moi, tu vous gardes un peu d'économie. Et parfois, frère, l'amour plus important que l'argent. Parfois, frère, l'amour, récent avec ton madame, parfois, il est plus important que votre âme de la tête. Et dans le mois-là, pas caméra, là, mauvais dire, caméra, là, mauvais dire, là. Mais j'ai dit, caméra, là, mauvais dire, là. Parfois, il est important, mon frère, mon sœur. Moi, je peux lui bon Dieu, moi, je peux prier. Pour qu'il descende, enfin, les tours en Angleterre, mon invite, maintenant, invite-moi pour apprendre sa parole de Dieu là-bas, pour aller, et qui sont un peu plus content aussi pour aller, pour me passer un bon moment avec mon madame. Tous les week-ends, dans la réunion, nous nous occupés. Pas bizarre, ben, sorti. Quand tu jamais des enfants, bon, madame, j'en ai l'hôtel, moi, tu es content. Bizarre comme ça en famille. Dans un moment, nous faisons tirer pour nos familles. Je te dis, amen. Hey, attention, tu n'as pas pour une église à faire ou à l'hôtel, hein? Parce qu'il y a un verset qui dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Ça, c'est la Bible, cherchez d'abord. Le royaume de Dieu. Amen. Amen. Là. Pas une victime, là, pas d'amen, là. Pas de ressentir, là. Jean chapitre 2. Oui, t'as la moitié de dire, est-ce qu'on parle pour lever à soir? Time doesn't matter to you. On va aller plus loin. Get up early doesn't bother you.
Les venir, il va dire en soi, parce qu'il donne du monde marié, le deux amen. Les venir pour qui? Les venir pour dresser, donnez-moi, gros cyclone, je faisais les venir pour faire la poule, par exemple. Les venir, mon sentiment peut passer 6h du matin, les venir. Allez, les venir, prends du pain! Les venir, il ne faudrait pas les déranger en soi. Les venir, tu déranges aussi à des réunions, ne viennent plus dans la bruit. Il y a tout piment. Il ne faudrait pas les venir déranger. Bon, quand tu veux les affaires, tu as même montré une mariée à bon Dieu. Quand on fait des bonnets pour prier, il y a un problème ça. Quand on fait des bonnets pour prier l'église, il y a un problème ça. Nous mariage Jésus, tout ce qui m'ont fait dire où là, il n'y a pas de sa vie mariage physique. Nous prenons une méthode de la vie spirituelle envers le Seigneur, mais il parlait. Le deuxième gloire à Dieu, je suis allé un peu plus vite. Ah oui, moi ça par ça. Your rest and your sleep must become secondary. Et qu'est-ce que ça rime? Quand tu es fiancé, tu peux mettre quelque chose, tu poses une question. Does your rest and your peace come secondary in your life? Maintenant, moi, je vais dire oui ou bien non. Quand nous marions, mon frère, mon Seigneur, nous dormir, nous reposer là. Les plus avis secondaire. Ça m'est arrivé là. Bah là, tu peux dormir. Bah là, tu es en plein repos. Bah, sur la titre là, ça te dit ça, tu es en plein repos. Tu es en plein reposé. Mais la Bible dit à moi, quand le son du trompette il sonnait, zone levée, zone levée, zone levée. Combien de fois nous sommes d'accord en moi? Il nous est arrivé, je me disais, priez vous devant le sommeil pour guette au monsieur ou madame. Vous avez la main? Il nous est arrivé ça? Là, c'est nous arrivé ça? Non? Ça nous est arrivé? Comment nous avons dit ça quand vous voulez les pieds? Vous avez dit que vous avez parfois un sous gros la main, il a capé ce qui est bien. Mais quand la viande est sur la main, et bon, ma soeur, je vous ai dit. Je vous dis gloire à Dieu. Jean le chapitre 2, on a des versets après nous avons terminé. Jean le chapitre 2. La Bible demande, de tout nous cause dans l'histoire là, c'est le mariage, Jésus s'est invité dans le mariage là. De tout dire invité. De tout dire invité. Combien vont nous être d'accord en moi quand il a invité dans la case, mais même quand pasteur une côte avec un invité dans la case, là nous ramassons la quai. Nous ramassons la quai. C'est long à qui on a voulu dire là. C'est la quai là long, nous ramassons, on a voulu dire que nous disons. Quand on est comme nous, nous n'avons plus bon qui nous paye, non, là. Là, si nous, madame, même dit un petit peu tombé, nous dit, lâche-lui, bébé. Si les enfants-là, même dit un petit peu qu'ils font, lâche-lui, lâche-lui. T'es rigué, même là. Ça allait devenir un. Là, nous vivons plus bon que nous, mais nous vivons doux, nous vivons tranquilles, nous vivons calmes, nous vivons paisibles, nous vivons bon du monde, nous, avalons la crasse, nous tombons dans nos causes ici. Bébé, qu'est-ce que tu disais, ça va devenir. La voix de l'organe, tout changé, là. Qui fait? Elle est étrangée, là. Elle est étrangée dans la case, là. Quand on met une côte, toi. Restez. Elle est étrangée, là. Non? Parce qu'il y a une famille, il y a du monde, là. Mais c'est de Dieu. Dans la vie mariale, Jésus n'est pas invité dans nos mariages. Asine, c'est dans l'histoire avec lui. Et non, Jésus au milieu de eux. À cause de ça, en tout temps, je disais doux. En tout temps, je disais, il avait un bon langage. Puisqu'il s'agit Jésus-là, l'invité invisible qu'il a en tout temps. Et qu'est-ce que ça doit au cahier? L'invité invisible en permanence. Jésus, il l'a invité. Oui, guettez, frère. Bon, vous quittez mon micro, bah, guettez-moi, guettez où? C'est évidemment, il y a tant qu'un réunion fini. Je dois guetter. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je dis à Jésus, il est invité, invisible, silencieux. Amen. Alors, vous savez, il est important de nous avoir une bonne manière dans le mariage. Je vous ai fait comment dire Jésus là. Pas fait comment dire, vrai Jésus là. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus s'est invité dans le mariage. La Bible dit, divin, c'est fini, et Jésus nous a maintenant rempli ses eaux, rempli six eaux avec de l'eau. Qui ça veut dire ça, rempli six eaux en de l'eau? C'est faux. Tout vous devez aussi. J'ai dit besoin. Non, j'ai dit besoin. Faire. Zéfo. Non, c'est ça bien. Zéfo. Vous avez zéfo, mon frère, vous savez. Quand on n'est plus, on vient quand on est masse. Vous avez zéfo pour pas pouvoir aller. Des fois, dans des mois, il faut travailler. Hein. Tu ne demandes pas aller. Imaginez, je guette les autres quand ils sont allés. Non, zéfo, vous avez fait. Non, zéfo, vous avez fait dans mon rien. Et je connais ce qui est joli. Quand ben là, tu fais zéfo. Quand Jésus t'y trouve, ben là, fait zéfo. Mais là, qui Jésus, tu sens de l'eau divin. Vous placez nos foyers changés, montrez-moi qu'ils étaient au PPR.
Pour un vieux femme ou mari changé, montre-moi qui c'est pour où vous pouvez faire. Est-ce que vous pouvez prier? Commencez par la prière, c'est pour là. Commencez par une bonne parole, commencez par une bouquet de faire. Commencez par cuire un bon manger, commencez par faire une petite chose. Commencez, mon frère, monsieur. Et c'est où là, même là? Prends un message là, de ça aussi. Si laissez, écoute ça là-bas, hein? Ok, là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. L'impossible pour une possible dans mon mariage. L'impossible pour une possible dans mon mariage. Quand on fait des faux qui visent. Et quand Jésus l'a invité dans la vie. Parce que la raison, tu lui as raconté qu'il faisait faux pour commencer à blasser. Il avait blasé? On m'a dit, j'ai dans le micro. Vous voulez lui faire ça? Ou non? On va vous le dire, on va vous le dire. On va vous le dire. Est-ce qu'il les a lavé au moins une fois de sa vie? Parfois, il les lave. Pas tous les jours. Tous les jours, il va se dire, comprenez. Moi, mon maman, je fais la blasser. Depuis mon marié, je me rends dans first, la blasser. Tellement, on fait la blasser dans mon rang de sixième, la blasser là. C'est pas ça, il y a des grilles, la blasser. Disons le son, mais si on va arriver là-bas là. Doucement, doucement. Mais là, mon rang de sixième, la blacette, là. C'est la blacette. Ouais, il n'y a pas autant. Je fais des faux. Quand il y a aux efforts, mon frère, mon Seigneur, bon Dieu, pour faire l'impossible, impossible. Alors, à Dieu, merci, Seigneur. Matthieu 22, verset 11. Pourquoi nous terminons là? Matthieu 22, verset 11. Viens, un petit coup. Rapide, rapide. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est le mariage, les rois, n'avaient pas du monde, il y avait le mariage, mais là-dedans, quand les femmes étaient censées faire guetter, elles n'ont là-dedans pas de mettre mariage. Et là, les rois, n'ont collé, les rois, n'ont pas en ligne, c'est idiot. Nous pisons qu'on est dans un bon linge, quand nous donnons mariage. Premièrement, linge physique, n'a pas pour tout à fait spirituel, linge physique, même, nous pisons les vêtements, nous bien. Maintenant, les gens mariés, nous pisons les vêtements, nous bien, c'est-à-dire. Premièrement, physiquement. Pas tout à fait, c'est la Bible pour le spirituel, non? Le plus en nous habille nous, convenablement. Deuxième, et dans l'un qui appelle l'humilité, vous avez dit dans l'humilité, dans le foyer, dans le mariage. La Bible qui dit à nous, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté. Vous avez rempli ça comme une petite chose là, vous avez mettre ça l'un comme un bisin. Si vous avez au mariage, réussir dans la joie, mon frère, mon Seigneur. Pourquoi dans le verset 10, je vais demander verset après, il vous dire. Il y a beaucoup de monde qui est invité dans le mariage. Une partie du monde qui est bon, une partie du monde qui est mauvais. Dans le monde, il y a millions de mariages énormes. Some are good, some are bad. Which one are you? Vous êtes-vous fait la même chose? Je trouve ce père, je trouve le mariage. Quand ton vie mariage va aller, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu m'en as fait un coup, un balai, un navire. Voilà dans la main. Sans une direction. Parce que ça ne vous entend bien. Tu vas vous en aller bien. Parce que ça ne vous entend pas. Tu vas bien dire si. C'est parce que non, j'ai dit. Je te m'en apporte un ici pour que tu te rassures. Non, on fait aussi. Toi, ton marié, toi-même, te trappe ton volant par manie de direction du devisin. Un des manières que je me suis fait aussi quand je suis jeune avant de me marier, je me suis fait dire, un jour quand je suis un pasteur, je suis un meilleur pasteur. I will be the best pastor. I will be the best leader. I will be the best husband. I will be the best father. I will be the best son. I will be the best brother. I will be the best. Parce que la Bible me mange les meilleures productions du pays. Je dis amen. Qui laisse une métier pour un mariage? Les impatients? Ou pas comme la canne? Collé en tout temps? Qui laisse une métier? Veillez bien le houlin. Houlin est important. Avec qui on réveille à où? Faut pas nous marier dans le monde. Néhémie 13, verset 27. Néhémie 13, verset 27. La Bible dit nous fait désobéir à bon Dieu quand nous marier et ben du monde étranger ou bien étranger, pas vis-à-vis des autres pays là. Hein? Étranger, c'est vis-à-vis ben du monde qui n'est pas connu le Seigneur. Faut pas aucun du monde dans l'église que nous, dans nous l'église, marier dans le monde. Pour les femmes, un jeune marié content, un dimoun qui n'est pas connu Jésus. Parce que c'est un joli garçon de bis. C'est tout le qui tu connais, qui n'est pas connu Jésus. Tu n'as pas même fait tout le qui est battu pour lui. Bon Dieu, vous donne-toi un meilleur. Parce que c'est un joli qui fait la leçon. Laisse-le. Tu connais, les affaires de sur la main, les affaires de sur. Tu connais les affaires qui m'en aillent, non. Pas même de toi, bon Dieu, tu donne-toi un meilleur. C'est une prière de tout le qui est Seigneur, ça qui est là pour moi, tu vous changer, vous donne-toi le Jésus, nous vous rejoindre un jour dans la vie. Se faire bon Dieu confiance, bon Dieu vous fait droit raisonnement du monde qui bizarre. Quand c'est là, c'est dans 14 ans, moi tu trouves lui.
14 ans. Il y a un petit peu comme ça, non? Il y a 10 ans. Comment vous connaissez il y a 10 ans? Vous savez comment vous connaissez? Moi, j'ai un soulier blanc. Depuis un moment, je me souviens blanc. Et la première fois, pour moi, je me souviens blanc. Et lui, tu peux dire, qui dit moune me souviens blanc, le salafier? Qui dit moune me souviens blanc, le salafier? Hé, je me souviens blanc, je me souviens blanc. Pour qu'il y ait 10 ans, mon connais me souviens blanc. Et mon corps, je me souviens blanc. Mon content, je me souviens blanc. Donc, vous êtes me souviens blanc. Pourquoi on dit blanc? Pourquoi on dit bien? Non, mon bureau de Jésus, elle m'a fait, elle m'a appris, elle ne fait. Si des volontés bon Dieu, nous besoin après, moi, je vais la guerre, moi, je vais faire un semestre, moi, je vais faire un chat, moi, je vais faire la guerre avec son maman, avec son papa, avec tout le monde, vous me gagnez, tu là. Si un oiseau, déjà, pose dans mes épaules, on peut laisser aller, si besoin, il pourrait venir dans mes épaules. Mon gars fait directeur, c'est une belle égout. Si j'ai dit, un dialogue là. Mais beaucoup de jeunes, non, quand je suis content là, je me disais, c'est ma tasse là qui est là, sur la place, ma tasse, reste même. Là, il va venir content, là, il est esclave. Tu peux te dire, esclave. Tu peux te dire, esclave. C'est un oiseau pour moi, il propose de mes épaules. Je veux dire, gloire à Dieu. Il ne faut pas marier dans le monde. Qui la Bible dit? Il ne faut pas marier dans le monde. Et nous, je n'ai pas cause, mais nous, qui sommes au mariage. Pourquoi je suis béni par la parole de Dieu? Je suis béni par la parole de Dieu. Moi, aujourd'hui, je vais faire un servicing pour la vie mariage. La case, je vais saisir que monsieur trappe sur la main ou prier un moment. Si monsieur pas venir à l'église, ou trappe au bague, l'alliance, ou prier. Il y a un mot qui fait ça. Il y a un mot qui fait ça. Il faut des armées ou tiens au bague mariage, vous étiez? Pour le premier jour, je dis, je tiens mon mariage, je fais un mot qui roi, je fais un mot qui roi, je fais un mot qui roi. Il faut des armées, armées, armées. Quand tu es un peu là, tu fais comme vous, quand là, vous l'éclatez. Laisse ta plus bon Dieu t'aille pour le camp, la plus bon Dieu t'aille pour le camp. Est-ce que le peuple de Dieu la même? Bon, écoute-moi, c'est arrivé dans un incident qui est arrivé dans du monde sur la vie. Il est capable d'un du monde dans l'église, dans un peu de pour DVD, au monsieur infiniment, bien au madame infiniment. Et au pédiat, Dieu, que tu as joli message, si moi tu connais, si moi tu es capable d'écouter un message avant. C'est ou bien frère? N'a pas l'esprit découragé, ça met ça n'a pas là pour faire gain regret, ça met ça n'a là pour donner l'espoir, pour nous dire capable de rester où, pour nous dire qu'on réduit la joie, l'amour, la paix, et c'est qu'on n'a pas nous capable d'enseigner les autres. Ça c'est premier. Ou bien on est capable d'être du monde qui a payé ça met ça n'a pour DVD là, ou un du monde qui est divorcé. À ce que je si je suis déjà connu ça met ça n'a capable de me passer pour faire ça. Ou pas vivre de regret. La parole de Dieu n'est pas une parole de condamnation. On pas me prêter ça met ça n'a pour condamner, on prêter ça met ça n'a pour libérer. Même si l'arrivée on se séparait, bon Dieu capable rester, bon Dieu capable redonner le mariage, béni, heureux dans le nom de Jésus. Jésus la même? Parce que bon Dieu, pas n'importe pour condamner personne, pasteur. Ça me sauve, il n'y a pas un message de condamnation. Il n'y a pas un message de regret. Il ne faut pas avoir un regret dans l'équerre. Arrive en circonstance. Écoute, pas que ma jeune du monde, nous donne l'exemple. Pas que ma jeune du monde, il m'a oublié. Il dit, moi, il y a une madame. Mais c'est moi, il amène 15 madame dans la casa, il fait une relation aux eux. Il fait la casa, il vient comme un hôtel prostitution. Mais non, madame, on a besoin de séparer. Même moi, vous dites, on a besoin de séparer. Pas qu'à vivre comme ça. Vous êtes d'accord, vous? Si elle n'est pas dans la case, il fait vieux petit fila, il fait déranger les enfants dans la case. Mais moi, vous êtes arrêté, je vais vous quitter ça, monsieur. Vous me comprenez? Et là, ma circonstance, que. Ne pas capable de rester comme ça, il n'est pas bon, ça. Et là, ma cause en général. Je bénis par la parole de Dieu, mais nous devons donner place. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous disons Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole, il bénit moi, il encourage moi, il fortifie moi. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez réécouter ce message-là et chaque passage dans la Bible, vous pouvez vivre une réalité dans mon écrire. Merci Seigneur. Amen. Que le